Bonsoir. Bien. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je rappelle que la date de l'examen écrit de mon cours, à savoir les conséquences de l'andropause, chez le babouin, la date de l'examen écrit de mon cours a été fixée au mardi 4 juin à 14h. Et pour ceux qui n'obtiendraient pas la moyenne, un oral de rattrapage aura lieu la semaine suivante. Bien. Alors, j'aimerais entrer dans le vif du sujet assez rapidement. Vous pouvez, le cas échéant, prendre des notes, je n'y vois aucun inconvénient, mais je vous demanderai d'être concentré tout au long de ce cours. Je pose des questions à la fin. Alors, nous avons vu la semaine dernière ce qui différenciait le mode de reproduction dans les sociétés monomatriarcales type fourmis ou abeilles de la sexualité chez l'homme. Et nous en avons conclu que Maya l'abeille était une grosse salope. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la problématique de la représentation du sexe masculin chez l'être humain, évidemment, et voir comment il pèse sur les relations hommes-femmes dans notre société occidentale. Qu'est-ce que le sexe de l'homme ? C'est la question. Comment le définir ? Comment le prolonger dans sa définition, au-delà de l'évidence biologique qui veut que ce soit un corps caverneux ponctué par une paire de testicules. Et pour être tout à fait honnête avec vous, ce chapitre du cours m'a été inspiré en partie par un spectacle que vous avez sans doute vu ou entendu, et qui s'intitule « Les monologues du vagin ». Et ce cours pourrait être en quelque sorte le pendant des monologues. J'ai pensé qu'il y avait là un créneau, une brèche, et comme tout professeur qui se respecte, je m'y suis engouffré. Paf ! Queue, bite, boue, dard, biroute, nœud, braquemar, gourdin, tromblon, démonte pneu. Je sais, ça fait rêver, madame, je sais. Vie, quéquette, kiki, mandrin, goumi, chibre, manche à couille, bâton, colonne, pâle, le premier qui répond présent, je le sors. Bigoudi, piège à mémé, bistouquette, pin, zob, zizi,
Zgeg, Zezet, Zigounet. J'en passe. Vous en connaissez d'autres, hein? Alors, comme vous le voyez, chers élèves, la langue française regorge de vocables divers et variés pour désigner le sexe masculin. Et cette variété tend à prouver que le sexe de l'homme occupe une place extrêmement importante dans l'inconscient collectif. Mais quelle est vraiment cette chose? Bien, c'est une source de fierté ou de honte, capable d'inspirer le respect ou le fou rire. C'est à la fois un symbole de puissance, une chose vulnérable et fragile. C'est tantôt un fauve en liberté, tantôt un petit animal de compagnie. C'est un être qui peut exprimer l'amour, la haine, qui donne la vie, parfois la mort, qui pisse aussi. Comment ce petit corps spongieux ayant élu domicile dans un morceau de peau fripée? Ben oui, peut-il être toutes ces choses à la fois? Nous allons donc, si vous le voulez bien, braquer les projecteurs de la science sur l'homme et son pivot d'amour. Rassurez-vous, je ne vais pas sortir mon sexe pendant l'exposé. Sauf si les choses tournent vraiment mal ou vraiment bien. Alors, nous allons tenter de répondre ensemble à un certain nombre de questions fondamentales, et comme par exemple, la taille du sexe est-elle vraiment importante? Sinon, pourquoi n'existe-t-il pas de vibromasseur de la taille d'un petit doigt? Comment font les hommes quand devenir dur devient de plus en plus dur? Enfin, à ce qui paraît, c'est des amis qui m'ont dit. Avons-nous deux cerveaux dans notre corps et trop peu de sang pour les faire fonctionner en même temps? Ou pas de cerveau du tout? Les hommes sont-ils tous paresseux, arrogants, tire-au-flanc, branleurs, obsédés? Pourquoi John Wayne Bobbitt, pas le cow-boy, hein, celui dont la femme coupa le pénis pour le balancer dans le jardin du voisin. Pourquoi John Wayne Bobbitt déclenche-t-il l'hilarité générale à la simple évocation de son nom, alors que si on faisait quelque chose de vaguement identique à une femme, on serait aussitôt considéré comme un monstre sanguinaire? Pourquoi est-ce aussi drôle quand ça arrive à un homme? Voici c'est un agrandissement, n'est-ce pas? Ça pourrait être la carte du PC de Ronny Sous-Bois, tellement il y a de circulation. Alors, vous avez tous reconnu la coupe des organes génitaux masculins, avec ici le canal épididymaire, qui se transforme en canal déférent, pour aboutir dans l'urètre de la verge. Si quelqu'un ouvre un de vos testicules et en étire minutieusement ce petit canal tubulaire, finira direct à Sainte-Anne, moi je vous le dis. Et c'est précisément ce que Jeffrey Dahmer, ici présent, dont l'intelligence inonde le visage, comme vous voyez. C'est ce que Jeffrey Dahmer, le cannibale de Milwaukee, a découvert à ses dépens. On en a trouvé tellement chez lui de canal épididymaire qu'au début, on pensait qu'il se nourrissait que de vermicelle. Une sorte de Don Patillo à l'américaine, si vous voulez. Il a été incarcéré, on ne le reverra plus, Dieu merci. Mais, pour en revenir au sexe proprement dit, le meilleur moyen d'estimer la taille du sexe d'un individu, c'est de le lui sortir pour le mesurer avec une règle. Et la longueur du nez, des mains,
et des pieds n'ayant strictement aucun rapport avec ça. Et je vais d'ailleurs demander à un volontaire de bien vouloir... L'ambiance change. Vous avez bien fait de vous mettre là, vous, tiens. Alors, cher monsieur, et vous? Vous êtes accompagné de cette charmante personne, bien évidemment. Ça fait un petit moment, sans indiscrétion, que vous êtes ensemble. Un petit moment. Hein. Donc, madame connaît bien monsieur. Donc, c'est madame qui va m'arrêter. Pas fameux. Qu'est-ce que vous voulez? Allez, je vous donne une deuxième chance. Dans l'autre sens. Allez, hop, madame, vous m'arrêtez quand vous... Stop! Ah. Bon, écoutez, c'est pas grave. Vous êtes un peu en dessous de la moyenne, cher Bolivier. Je suis désolé pour vous, mais... Non, je plaisante, bien évidemment. Hop, on va tout faire disparaître. Écoutez, faites ça entre vous, c'est bien mieux. Mais demandez la permission avant, hein, parce que... Ça peut mal se terminer. Bien, on va revenir à des choses plus sérieuses. Sachez que d'après le livre des records, la plus longue queue du monde est française. Et détenue par un Français. Voilà. Vous le connaissez, madame, non? Moi, ce que je vois avec la banane... Pourquoi vous riez, monsieur? La vôtre n'est pas comme ça? Ah, et ça fait rêver, je sais. Ben oui, c'est comme ça. Mais ça évolue tout au long du cours, vous verrez bien. Et d'ailleurs, pour ce cours, j'ai créé un site internet dont voici l'adresse www.qu'est-ce-que-sexe.com, comprenant deux questionnaires anonymes, bien évidemment. Un pour les hommes et l'autre pour les femmes, ayant pour objet le sexe de l'homme essentiellement. Eh bien, j'ai reçu pas loin de 50 000 réponses, dont j'ai ici quelques exemplaires que je me permettrai de vous lire tout au long de cet exposé, et vous verrez que c'est une source d'informations absolument inépuisable. Et j'ai commencé par poser la première question aux hommes. C'est une question très simple, vous allez le voir. Vous pouvez la noter. En tout cas, je vous demande d'y réfléchir très sérieusement. Voici cette question. Avez-vous déjà tenté l'autofellation? Tu vois, c'est tic, madame, ça ne vous concerne pas. Hein, je vous dis. Alors, l'autofellation, je vous dis ce que c'est. Alors, ça n'est pas se faire tailler une pipe dans la voiture, déjà. Auto, rien à voir. Auto vient du latin soi-même et fellation du français la pipe. Alors, à la question, avez-vous déjà tenté l'autofellation? Oui, 68%. Ce sont les chiffres officiels. Non, 32%. 68% des hommes ont déjà essayé. Si on arrondit un peu, ça fait 69%. Mais en tout cas, il faut un bon ostéo. Hein. Parce que si ça dure, bonjour les lombaires, hein, je vous le dis. Alors évidemment, après cette première question, il en est une tout à fait naturelle et logique, je dirais. Avez-vous réussi? Oui, 17%. Non, 83%. 17% ont réussi. Il y en a peut-être parmi vous, d'ailleurs. En tout cas, il faudra qu'ils m'expliquent comment ils font. Ce sont peut-être des gens de petite taille, ou des contorsionnistes, des acrobates. C'est exceptionnel. C'est étonnant. Moi, ça me rappelle un de mes amis, camarade de chambrée à l'armée, qui, alors lui, il n'arrêtait pas. Du matin au soir, du soir au matin, il n'arrêtait pas. C'est pas compliqué. On l'avait surnommé Ratatin. Comme le chien, oui. Oui, parce que les chiens se lèchent la bite. Hein. Vous avez un chien, vous? Non. Vous avez un chien? Non. Personne n'a de chien, ici? Vous savez pourquoi les chiens se lèchent la bite? Mais parce qu'ils peuvent, eux. Vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas la somme d'énergie qu'il faut pour préparer un cours comme celui-ci.
J'ai passé des mois et des mois à parler que de bites, à éplucher des volumes entiers de littérature pénienne, à discuter avec les hommes de leurs zizi et par-ci et par-là. Parce que c'est décidé, l'année prochaine, je fais un cours sur les gros nichons. Et vous reviendrez, hein. Eh oui, oui. Je sais pas si vous avez remarqué comment en une petite phrase, je viens de réaffirmer ma virilité. Hein? Excusez-moi, mesdames, mais pour un homme, penser à son sexe en permanence, c'est quelque chose de dévirilisant. C'est vrai. Cette chose qui pend entre nos jambes, ça nous gêne. C'est lourd. Ça vous gêne pas, vous? Si, je me disais aussi. Non, je disais parce qu'on a pissé ensemble avant le cours. Avec le truc que vous trimballez, mon vieux... Faut aller voir un médecin, hein. Ou alors la foire du trône aussi, c'est pas super mal. Ouais, mais on n'imagine pas à quel point cette petite excroissance ou grosse excroissance peut susciter le tourment. Hein. L'homme moderne, dès qu'il est confronté à son sexe, est littéralement paniqué. Hein. Sa taille, sa forme, sa longueur, sa performance, combien de temps aura-t-il encore des érections dignes de ce nom? C'est toute l'obsession de l'homme moderne, c'est vrai. Et Frédéric Dard, oui, Dard, Frédéric Dard. Frédéric Dard a dit cette phrase. Il a dit « Mon sexe est la chose la plus légère au monde. Une seule pensée le soulève. Oh. » Ouais, c'est pas mal. Hein. Ça, quand on est jeune, on bande pour un rien, hein, c'est sûr. Moi, à l'époque, une petite culotte sur une corde à linge, et là, ça y était. Maintenant, il m'en faudrait des centaines de culottes. Hein. Ou alors un string. À condition qu'il soit mis dans le bon sens, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Mais voyez-vous, chers élèves, le phallus n'a pas toujours été que source de remise en question. Dans l'ère pré-chrétienne, déjà, sa puissance était vénérée. Voici quelques objets de culte que j'ai ramenés de la maison pour vous. Et comme vous le voyez si bien, les Égyptiens avaient tout compris. De profil, c'était beaucoup plus avantageux. Et il n'y avait pas que les Égyptiens, d'ailleurs. Les Sumériens. Voyez-vous, les Sumériens avaient un dieu... appelé Anki, qu'ils adulaient. En grande partie à cause de ces grosses parties. Et voici un de leurs cantiques. Assoiffé de désir, le père Anki se tendit, tel le taureau prêt à charger. Puis son pénis se dressa et il se mit à éjaculer, remplissant l'Euphrate de flots abondants. Ça, c'est du cantique. On a l'air malin avec notre pomme et notre serpent. Là. Le mec remplit un fleuve entier avec sa semence, l'Euphrate. Et c'est pas tout. Dans la foulée, Anki entreprend de creuser des canaux d'irrigation avec son instrument. Il invente le mode de reproduction sexuée, donne naissance au premier bébé et pour finir, s'élève aux cieux. Voilà le genre de divinité qu'il faudrait aduler. Les églises seraient bondées. Mon Dieu à moi creuse des canaux d'irrigation avec sa cigoulette. Et si vous l'accrochez au mur, ça fait porte-manteau. C'est génial. Ah, c'est extraordinaire. Et chez les Romains non plus, le sexe en érection n'avait rien d'indécent. Certains riches propriétaires l'avaient même fait peindre sur les murs de leur villa. Et à Pompéi, nous avons découvert cette fresque magnifique, voyez-vous, ce priape étonnant, avec cette phrase, « Hic habitat felicitas ». Et tous les latinistes en puissance que vous êtes, traduiront facilement cette phrase, n'est-ce pas, monsieur? Oui, c'est pas du tout, oui. Monsieur, sûrement. Non plus, non plus. Monsieur, non plus. Monsieur, non plus. Personne. Bien. Mais je vais vous la traduire, cette phrase. C'est ici que le bonheur habite. En un seul mot, habite. Alors. Il y a eu des époques, voyez-vous, où le sexe de l'homme était même littéralement vénéré. Où il symbolisait la fertilité. Vous voyez ? Deux pour le prix d'un. La puissance. Ça, c'est moi. J'ai pensé que ça vous ferait plaisir. La beauté. Sarkozy. Vous
je vous le laisse un peu. Comme vous... Maintenant, qui tient les cordons de la bourse? La prochaine fois que vous le verrez à la télévision, vous aurez une petite pensée émue. Où le sexe symbolisait également la richesse, l'intelligence, la science. C'était, voyez-vous, le signe des puissants de ce monde. Les puissants de ce monde. Hey, c'est curieux cette ambiguïté lexicale, vous ne trouvez pas? Ça mériterait vérification. Moi, personnellement, je n'irai pas voir dans le slip de nos hommes politiques. Il y a des gens qui se sont penchés sur la question. Monica Lewinsky, qui a beaucoup pris sur elle, il faut le dire, ça c'est sûr. C'est curieux comme les noms de certains de nos hommes politiques ont des consonances équivoques. Regardez, Raymond Barre, Balladur, De Gaulle, là, hop là, Jack Lang, Pompidou. Alors, quelquefois, il suffit de rajouter une ou deux lettres. Hein. Enfin, Jospin, ça fait... Jospin, bien joué. Le Pen, ça fait... Bon, Lapine, madame. Lapine, non, mais non. Le Pen, ça fait le pénis, c'est tout ça. D'ailleurs, on a du mal à s'imaginer le sexe de nos dirigeants. On serait d'ailleurs en droit de se demander s'ils sont en parfait accord avec leurs convictions. C'est vrai. Et pour ça, il faudrait s'adresser à leur tailleur. Parce que le tailleur coupe le pantalon en fonction du côté où on la porte. Allez, est-ce que les socialistes portent à gauche? Est-ce que les gaullistes portent à droite? Hein? Pour les centristes, il n'y a pas de problème, ils se la scotchent au milieu. Alors les verts, ils vont là où va le vent. Bref, je disais donc qu'à certaines époques, le sexe de l'homme était littéralement vénéré. D'où la question fondamentale. Qui est responsable de la dévalorisation du pénis? Qui a fait de ce symbole de fierté un objet de honte? L'homme? Certainement pas. Mais alors qui? Les femmes? C'est marrant, j'avais pas pensé à ça. Mais oui, les femmes! Les femmes dénigrent, rabaissent, tirent vers le bas nos organes génitaux. Et ça fait mal! Elles minimisent l'importance de notre sexe. Enfin, en dehors de monsieur que j'ai croisé tout à l'heure aux toilettes. Elles minimisent l'importance de notre sexe parce qu'elles sont jalouses. Voilà. Eh oui, mesdames. Vous vous sentez inférieur aux hommes parce que vous n'avez pas de bite entre les jambes. Et vous êtes jalouses. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, vous fatiguerez avant moi. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est lui. C'est le grand Sigmund Freud lui-même qui le dit. Il avait une théorie fondamentale là-dessus. Il pensait que les femmes étaient jalouses de sa superbe verge et que c'est la raison pour laquelle aucune d'entre elles ne voulait être sa copine. Vérifions ensemble, si vous le voulez bien. J'ai demandé aux femmes, êtes-vous jalouses du sexe des hommes ? Oui, 19%, non, 81%. 19% de oui quand même. Ce qui est un chiffre assez important. Enfin, tout est relatif. Parce que si on regarde de près ce qui motive les oui, ça se gâte un peu. Voici quelques témoignages. Cette dame me dit, je n'ai pas forcément envie d'un pénis, mais j'aimerais beaucoup connaître la sensation de pénétrer quelqu'un. C'est ce qu'elle veut, c'est pas un problème. Mais celle-ci revient plus souvent. J'ai suffisamment de soucis avec ma poitrine pour avoir envie d'un autre truc qui pendouille. Mais, dit-elle, je rêve de pouvoir pisser debout et éviter de faire la queue aux toilettes. Voilà. Voilà ce qui motive la jalousie des femmes. Merci, Freud. Foiré. Entendons-nous bien. Je ne suis pas en train de dire qu'un pénis c'est mieux qu'un vagin.
Et je ne voudrais surtout pas que ce cours devienne une sorte de bataille rangée. Hein. Moi, personnellement, je préfère le vagin. Je trouve ça génial, un vagin, et pour tout vous dire, c'est un de mes trous préférés. En dehors de ceux du golfe de Saint-Lon-la-Bretèche, évidemment. Non, ce cours s'adresse aux hommes et aux femmes. Parce qu'en vérité, la queue, ça concerne tout le monde. Parce que si on y réfléchit bien, nous sommes tous entrés dans la vie en passant par un trou de bite. Alors, dit comme ça, c'est pas très valorisant, je vous le concède. Mais c'est un fait scientifique. Nous sommes tous les vainqueurs d'une course implacable entre 600 millions de spermatozoïdes pour arriver le premier à l'ovule. Hop là! Alors, imaginez que vous êtes ce spermatozoïde-là. Bon, pour vous, ça s'est bien passé puisque vous êtes tous là. Hein? Mais les autres? Vous avez pensé aux autres? Tous ceux qui ont fini dans des préservatifs? Sur des poitrines? Quoi? Oh! Dans des bouches? Ou pire, recraché par des bouches. À propos, est-ce que vous savez que lorsqu'un homme moyen éjacule, il perd une quantité de sperme équivalente à une cuillerée à café à soupe, une louche? Et que d'après une étude scientifique extrêmement rigoureuse, la valeur nutritive. Quoi, oh. La valeur nutritive de cette quantité de sperme équivaut à 2 beefsteaks, 10 oranges et 3 citrons. Plus besoin de régime, les filles. Merveilleux. Merveilleux. Mais, soyons sérieux, regardez bien ces spermatozoïdes. Ça n'est pas du gaspillage. Eh non, ces spermatozoïdes ont une fonction essentielle. Voyez-vous, ils illustrent la notion de sacrifice social. Tous pour un. Ce sont les soldats du sexe, des héros morts au champ d'honneur. Mieux même. Dans les moments de plaisir solitaire, le souvenir du cul ou de la poitrine sur lequel ils se sont échoués sert à envoyer de nouveaux spermatozoïdes à une mort certaine sur la morne plaine d'un Kleenex. Vous avez tous échappé à ça. Vous avez surmonté tous les pièges, déjoué toutes les embûches et survécu au pire pour entretenir la race humaine. Vous êtes les vainqueurs de la plus implacable des loteries. Pas besoin de grattage, on les a tous niqués au tirage. Il faut que vous soyez fiers, fiers de vous, fiers des sexes qui vous ont donné la vie. C'est pourquoi, ensemble, louons le pénis. Honorons de notre mémoire ces verges vaillantes qui, tête la première, ont percé le mystère de la vie en pénétrant dans les ténèbres du vagin. Gloire à toi, paternel phallus. Hymen. Un petit peu de calme, s'il vous plaît. Vous noterez qu'inconsciemment, nous venons tous d'avoir une pensée pour les sexes de nos pères en érection. Et c'est pas une chose à laquelle on pense tous les jours. Et les sexes de nos pères étaient certainement très différents les uns des autres, que vous et moi, vous et vous, etc., etc. Et on n'imagine pas à quel point les queues peuvent être différentes. Moi, je pensais qu'elles étaient toutes comme la mienne. En plus petit, naturellement. Mais bon, et d'ailleurs, une part importante que l'homme entretient avec son sexe tient à sa plus tendre enfance. Souvenez-vous, lorsque nous étions petits, nous étions absolument fascinés par la taille du sexe de notre papa. Et à l'école, les concours, à qui pissait le plus haut? Mais qu'est-ce qu'on pissait haut? Eh bien, c'est fini, moi je peux plus, c'est terminé. D'ailleurs, à propos de souvenirs d'enfance, voici quelques témoignages que j'ai recueillis sur le site et que je m'en vais vous lire.
Vous allez voir, c'est touchant. Alors, ce monsieur me dit, quand j'étais petit, je cachais mes Legos dans le prépuce. Ça, c'est sûr que sa sœur pouvait pas les piquer, hein, ça. Celui-là. Mon père m'a dit que si j'arrêtais pas d'y toucher, elle tomberait. Elle est tombée. Celui-là. La première fois que j'ai vu un mandat lire à la télé, j'ai eu une érection. J'avais 5 ans. Depuis, je suis en thérapie. Ça va faire 53 ans, mais j'ai presque fini. Mais la manière dont les hommes vivent leur sexe tient aussi au regard que les femmes portent dessus. C'est pourquoi j'ai demandé aux femmes de me décrire le pénis le plus extraordinaire qu'elles aient vu. Voici quelques réponses. Alors, une paysanne m'écrit du Cantal. J'en ai vu un, il était petit comme un bébé hamster quand il n'a pas encore sa fourrure. Ou alors celle-ci. Sa taille était normale, mais il présentait une sorte de déviation au bout, si bien qu'on aurait dit que le trou se trouvait pas exactement au milieu. Je l'ai quand même sucé. C'est gentil. Cette Marseillaise. J'en ai vu une très fine, un peu comme les crayons que j'utilisais à l'école maternelle. Elle dit pas s'il y avait une gomme au bout et si elle le mâchouillait. Cette dame qui m'écrit de Namur, en Belgique. On aurait dit un sneakers. Même taille, même forme, mais pas le même goût, hein. Ou bien un homme qui en avait deux. Alors ça existe. Ça s'appelle la biphalie. Ou la chance. Celle-ci qui me vient de Pointe-à-Pitre. On aurait dit une banane, mais à l'envers. Le problème, c'est de savoir c'est quoi le sens d'une banane, on ne sait pas. Mais voyez-vous, ma favorite, c'est celle-ci. Il n'y a pas de pénis ordinaire. Excellente réponse. Il n'y a pas deux bites identiques, y compris sur le même mec. Il n'y a pas de nœuds ordinaires. Il y a des nœuds marins, il y a des nœuds papillons, il y a des nœuds coulants. Là, il faut aller voir un médecin tout de suite. Mais il n'y a pas de nœud commun. Notez-le, c'est important. Le chapitre suivant est consacré à l'orgasme. Et j'ai demandé aux hommes, je dis bien aux hommes, avez-vous déjà simulé un orgasme? À votre avis, les filles? Non? Oui? Vous savez pas? Voici les réponses. Avez-vous déjà simulé un orgasme? Oui, 33%. Non, 67%. Hey, un tiers des hommes a déjà simulé. Comment? Vous voudriez savoir comment? Eh bien, je vais vous le dire. Alors voilà. Un jour, un de mes copains m'a raconté. Qu'il prenait sa partenaire en levrette depuis suffisamment longtemps pour savoir que c'était sans espoir. Alors. Laissez-moi me concentrer. Il a éternué violemment et s'est retiré d'un coup en lui aspergeant le dos. Hatcha! Eh ben, elle y a cru. Et physiologiquement, c'est pas tout à fait de la simulation. Parce qu'il y a une certaine jouissance dans l'éternuement. L'orgasme nasal, ça existe. Vous allez sortir tout à l'heure dans la rue, hop, un petit coup de vent, petit courant d'air, vous allez éternuer. La fraction de seconde qui précède l'éternuement proprement dit est tout à fait jouissive. Ça vient comme ça. Ça monte là et au moment où vous allez éternuer, pensez-y. Vous aurez envie de recommencer. En plus, penserez à moi, ça me fera plaisir. J'ajouterais qu'on pourrait établir un tableau de comparaison entre les différents types d'éjaculation et les différents types d'éternuement. En effet, il y a l'éjaculateur précoce, mais il y a aussi l'éternueur précoce. Ah, l'éternueur précoce, c'est celui qui n'a pas le temps de trouver son mouchoir. Ça et hop, il en met partout. Il y a celui qui se retient. C'est l'éternus interruptus.
il y a la quinte d'éternuement très prisée des femmes. Atcha! 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 Quand tu écoutes. Le fait de ne pas pouvoir jouir pour un homme est parfois lié au fait de se sentir observé. C'est très exactement comme quand on doit faire pipi. C'est pourquoi j'ai posé la question aux hommes, éprouvez-vous des difficultés à pisser à côté d'un autre homme? Ça concerne les hommes, madame, pas vous, vous n'êtes pas concernés. Alors oui, 34%, non, 66%. Un homme sur trois n'arrive pas à pisser s'il y a un autre homme dans les parages. C'est ce qui s'appelle avoir la vessie timide. Hein. Généralement, ça se termine au cabinet, la porte verrouillée. Comme quoi, mesdames, avoir une bistouquette n'empêche pas forcément de faire la queue. Voilà. Bien. Alors, pareil, aborder la problématique du sexe masculin dans notre société, c'est également aborder celui de la circoncision. Voici une fresque magnifique. Et dans certaines régions, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, la plupart des hommes étaient circoncis, quelle que soit leur religion. Une question d'hygiène. Un sexe circoncis serait plus facile à entretenir. Encore que laver un sexe non circoncis, ce ne soit pas les 12 travaux d'Hercule. Hein. Donc les mecs, le dimanche matin, quand vous lavez la bagnole... un petit coup de Karcher et on en parle plus. J'ai pu constater dans mes recherches que certains hommes étaient furieux d'avoir été circoncis et que d'autres estimaient que c'était la meilleure chose qui leur soit arrivée. C'est vrai que généralement, quand on fait circoncire son enfant, on ne lui demande pas son avis. Hein. Et les parents devraient sérieusement peser le pour et le contre. Si je fais circoncire mon fils, où est-ce qu'il va ranger ses Legos? On n'y pense pas assez. Et le fait qu'on vive plus ou moins bien l'absence de ce petit bout de peau prouve que les hommes se définissent en partie d'après la forme de leur sexe. C'est un des problèmes majeurs chez l'adolescent, sans parler des soucis de friction pendant la masturbation. Parce que le passage du statut de petit garçon à celui d'adolescent, c'est la découverte de la branlette. Et oui, mesdames, nous sommes tous fiers d'avoir été des petits branleurs. Il n'y a pas de mal à ça, bien au contraire. Se tirer sur l'élastique, c'est le nec plus ultra de la célébration du zizi. S'aimer tout seul, c'est l'amour absolu. C'est pourquoi j'ai demandé aux hommes combien de fois par semaine vous masturbez-vous. Le maximum est de 300. C'est un berger des Landes qui m'a écrit. Ça fait 53 fois par jour tout de même. Bonjour la veuve poignée. Le minimum est de 0. À mon avis, elle est tombée, c'est la semaine qui a suivi les 322, c'est clair. Et la moyenne est de 6. Eh oui, madame, même Dieu a eu besoin d'un jour de repos. Notez que selon certaines croyances, la masturbation serait une sorte de viol psychique. On aurait une relation sexuelle imaginaire sans le consentement de la personne à laquelle on pense. Donc la prochaine fois, vous passez un petit coup de fil... Allô, oui, c'est Gérard de la Compta, là. Voilà. Oui, on se connaît pas, mais on s'est croisé à la cantine, oui. Oui, voilà, je suis sur le point de me branler, là, et... Je voulais savoir si vous seriez d'accord pour un petit lâcher facial, là. Non? Vous préférez les seins? Bon, d'accord. Je vais voir ce que je peux faire. Voilà, merci. Au revoir, Madame Poirot. Terminé. Non, l'imagination aussi a ses limites, vous savez. Il faut du neuf, il faut de l'aventure. C'est pourquoi j'ai demandé à mon échantillon masculin où vous êtes-vous déjà amusé à mettre votre sexe. J'aurais peut-être pas dû. Car voici quelques-unes des 3000 réponses que j'ai reçues. Accrochez-vous. Alors, dans une bouteille de lait. Longue conservation, j'espère. Dans un pot de moutarde.
En cuisine, ça s'appelle une queue de porc à la Dijonnaise. Dans une escalope de veau, roulée à l'intérieur d'un rouleau de papier toilette. Respirez, détendez-vous. Je reprends pour vous. Soyez concentrés, mademoiselle. Donc, je disais, dans une escalope de veau, roulée à l'intérieur d'un rouleau de papier toilette, avec quelques cuillerées de confiture par-dessus. Non, mais attends. Non, plus le temps passe, plus une question m'obsède. C'est de la confiture de quoi, qu'il a mis ? Dans un tuyau d'aspirateur. En marche. Ah ! Chez le médecin, il dit, vous avez un truc au bout là. C'est un aspirateur, c'est là. Dans le trou d'une clôture de jardin. J'imagine la gueule du jardinier. Dans des glaçons. Ça la tiendrait plus longtemps, ça. Dans mes nounours préférés quand j'étais petit. Alors uniquement les préférés, hein. Et ceux qui parlent. Encore, encore. Dans un rouleau de PQ, mais c'était pas terrible. Forcément, s'il n'y a pas de confiture, ça n'a aucun intérêt. Hein. Dans le pot d'échappement de ma voiture. Ça, pour conduire, c'est pas facile. Hein. Faut décapoter. Dans un concombre évidé. Mais enfin, écoutez. C'est quoi ce monde? C'est quoi ce monde où on évite des concombres pour leur faire gentiment l'amour? Enfin, franchement. Partout du moment que ça ne fasse pas mal. À qui? Au sexe ou au réceptacle? Faut savoir. Dans une bouteille de shampoing, coupée en dessous du bouchon, avec un peu de savon pour lubrifier. Alors ça, c'est pas le genre de truc sur lequel on tombe par hasard. Hein. Alors, faut des années et des années d'expérimentation pour arriver à la réplique parfaite d'une foufoune. Hein, moi, je vous le dis. Une bouteille de shampoing. C'est con, le mec, il donne pas la marque. Enfin bon. Non, parce qu'il le vaut bien. Enfin, calmez-vous. Calmez-vous. Les enfants, allons, allons. Alors, j'en ai comme ça des milliers, on pourrait y passer des heures. Mais ça n'a strictement aucun rapport avec le type de sexualité. C'est pourquoi j'ai demandé aux hommes, de quel bord êtes-vous? Alors, hétérosexuel, 70%. Homosexuel, 19%. Bisexuel, 11%. Zérosexuel, 1. Michael Jackson. 70% des hommes se disent hétéros purs et durs. Pas une seule pensée homosexuelle dans leur tête. Pas une seule expérience homosexuelle tout au long de leur vie. Comme si pour un hétéro, être soupçonné d'homosexualité, c'était la pire des choses. Enfin, les filles, me dites pas que la plupart de vos mecs n'ont pas été tentés une seule fois par la sodomie. Hein? Écoute, Minou, tu voudrais pas essayer pour voir, là? Allez! Allez! C'est mon anniversaire! Pour 70% des hommes, avec une femme, c'est normal. Avec un homme, c'est contre les lois de la nature. C'est carrément n'importe quoi! En fait, si les hétéros ne supportent pas qu'il y ait le moindre doute sur leur sexualité, c'est parce qu'ils n'admettent pas qu'il y a une part d'homosexualité en chacun de nous. En fait, l'homophobie, c'est pas de la haine, c'est de la peur. Et peur de soi plus que des autres, d'ailleurs. Donc, si vous ne voulez pas en être l'esclave, il faut essayer de la vaincre, de la dominer. Et la prochaine fois que vous voyez passer la Gay Pride, vous prenez votre courage à deux mains et allez-y! Vous assisterez à des scènes du genre « Tu sors, chérie ?»« Oui, je reviens dans 5 minutes. »« Tu vas chercher une cigarette ?»« Non, je vais à la Gay Pride. » « Mais enfin, Robert, ça fait 30 ans qu'on est mariés !»« Eh ben, justement !» Moi, ce que j'envie aux homos, je vais vous le dire, c'est leur identité. Pendant des années, ils ont été jugés, persécutés à cause de leur sexualité, mais aujourd'hui, ils ont atteint le stade où ils savent exactement qui ils sont et ce qu'ils veulent. Ils se foutent complètement de ce que les autres peuvent penser d'eux. Ils ont ce respect pour eux-mêmes, cette confiance en eux-mêmes, cette conscience d'eux-mêmes que les hétéros n'ont pas. Et c'est ça qui fait un homme. Et pas le fait de mettre son sexe dans celui d'une femme, dans le cul du voisin ou dans le pot d'échappement d'une bagnole. J'irai même plus loin. Les homos ont résolu le nœud même du problème.
Eh oui, ils sont parvenus à la célébration ultime de la bite. Non seulement ils célèbrent la leur, mais ils célèbrent aussi celle des autres. Ils donnent l'exemple. Et un jour ou l'autre, toutes les grandes causes ont besoin d'homosexuels. Le chapitre suivant est consacré à l'érection. Et j'ai demandé aux femmes, que ressentez-vous lorsque votre partenaire n'arrive pas à avoir une érection? Alors, soit les femmes culpabilisent, je me sens grosse. Soit elles font culpabiliser les hommes. Il doit être pédé. Puis alors, il y a les femmes pleines de compréhension devant une panne comme celle-ci. En tant que neuropsychiatre, je sais qu'il y a une foule de raisons possibles, mais je peux difficilement lui dire « T'inquiète pas, mon chéri, c'est juste un dysfonctionnement passager de ton hémisphère occipital extérieur gauche. Maintenant, si tu pouvais me bouffer la chatte... » Non, elle n'a pas dit ça, excusez-moi, elle n'a pas dit ça. C'est moi qui délire. Puis alors, il y a les femmes pleines de compréhension devant une panne comme celle qui a fait... Vous imaginez le traumatisme. Finalement, je vais vous dire une bonne chose. L'avantage de faire l'amour à un concombre, c'est que si ça marche pas, il se moque pas. Il a compris qu'on n'était pas fait pareil. Il vous dira, t'en fais pas mon chéri, c'est pas grave. Tu me finiras ce soir en salade, c'est rien. Par la suite, j'ai demandé aux hommes, avez-vous déjà eu une panne sexuelle? Oui, 50%, non, 50%. 50% ont déjà eu une panne sexuelle et 50% sont des putains de menteurs. D'ailleurs, il peut y avoir différentes causes. Les médicaments, l'alcool, la fatigue et mille autres raisons. Voici des témoignages. Alors, je suis sous antidépresseur. Je ne bande plus. Ça vous rappelle des souvenirs, mon petit? Je reprends. Je suis sous antidépresseur. Je ne bande plus. Mais comme je suis sous antidépresseur, je m'en fous. Ou l'alcool. Ah, plus moyen de bander, dis donc. Mais vu que je me suis branlé 322 fois la semaine dernière... C'est avoir une raison. Ou alors celui-là. Elle avait beau me sucer, il n'y avait rien à faire. Hein. Je me suis senti con. Mais comme j'étais à 230 sur l'autoroute, je me suis dit que c'était peut-être mieux comme ça. Ou alors tout simplement le fait de trop y penser. Si on y pense trop, ça ne marche pas. Eh oui, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les hommes réfléchissent si peu quand il s'agit de sexe. C'est parce que nous ne pouvons pas y penser. Une érection, c'est psychosomatique. Ça ne dépend pas de nous. Et, à propos de l'importance psychologique de son sexe pour l'homme, j'ai posé une question très simple. J'ai demandé aux hommes si, pour une raison ou pour une autre, un jour ou l'autre, vous étiez amené à choisir entre ces trois propositions. Être aveugle, être sourd ou être impuissant, qu'auriez-vous choisi? Voici les réponses. Aveugle, 45%, sourd, 45%, impuissant, 10%. Et, comme à chaque cours, j'interroge au hasard quelques élèves pour connaître leur choix. Monsieur, cher monsieur, qu'auriez-vous choisi parmi ces trois propositions? Chauve. Chauve. Col roulé ou ça? C'est bien. Monsieur. J'entends pas. Ah, il n'entend pas. Il n'entend pas. C'est très bien aussi. Monsieur. Bon, certainement aveugle. Aveugle. Ça m'intéresse. Pourquoi?
Ah non, moi je ne sais pas, c'est vous qui choisissez. Aveugle, vous ne savez pas pourquoi. Comme ça, aveugle. Tiens. Monsieur ? Les trois. Les trois d'un coup. Il vous restera la parole. Monsieur ? Vous ne savez pas. Monsieur ? Sourd. Sourd aussi ? Pourquoi ? Monsieur, ça rend sourd, oui, oui. Aussi, faites un club. Ah, c'est son frère, ah bah oui, alors forcément. Monsieur, sourd aussi. Le club s'agrandit, hein. Ah, muet. Muet. Ah oui. Non, alors hier, il y en a un qui m'a répondu impuissant. Je trouvais tout à fait légitime. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu, comme ça, je pourrais regarder la télé peinard. En tout cas, je vous laisse réfléchir. Ça peut susciter des débats à la maison jusque très tard dans la nuit. Mais pour en revenir à l'aspect psychosomatique de l'érection, j'aimerais que nous fassions ensemble une petite expérience. J'aimerais que tous les individus de sexe masculin présents dans cette salle aient une érection là maintenant, là tout de suite, là. Sans se toucher. J'aimerais que vous dressiez vos sexes uniquement par la force de votre volonté. Pas facile, hein. Ben, j'ai quelque chose pour vous. Une petite stimulation visuelle. Et hop là! Non? Ça ne marche pas? Une partouze alors? Ça marche pas. Bon. J'offre 100 euros à la première érection dans la salle. Allons-y. Allez, allez, allez. Ça monte. 200, 200 euros. Ça monte. Faites voir. Vous appelez ça une érection? Vous êtes le maillon faible, hein, merci. Je veux fêter qu'une érection est vouée à l'échec si on est nerveux ou angoissé. Hein. C'est scientifique. Et d'ailleurs, la nature est bien faite. C'est ce qui permet de fuir en cas de danger. Vous imaginez sprinter avec une troisième jambe de 80 cm? Je sais, 80 cm, c'est petit pour une jambe, je suis d'accord. Mais comme dit le proverbe belge, jambe petite, 80 de bite. Bref, pour en revenir à l'érection, cette anxiété croissante et paralysante dans notre société est un réel problème pour l'homme. Il vacille devant les attentes grandissantes des femmes en matière de performance sexuelle. C'est pourquoi j'ai demandé aux hommes, ressentez-vous la pression de la performance? Oui, 43%, non, 57%. 43% de oui, vous vous rendez compte? Presque un homme sur deux ressent la pression de la performance. Nous aussi, mesdames, nous avons besoin d'être sécurisés, rassurés, choyés. Il y a une part de psychologie, de finesse, de doigté dans l'érection. Hein? Et éviter ce genre de réaction. Hein? Suce à la pouffe qui pouffe face au paf en panne. Après moi, suce à la pouffe qui pouffe face au paf en panne. C'est la pagaille, c'est bien ce que je pensais. Je vais demander aux femmes de me dire ça au premier rang. Ça va très bien se passer. Madame, vous êtes obligée d'y passer. Tout le monde y passe. Alors, madame, détendez-vous, respirez. Répétez après moi. Suce à la pouffe qui pouffe. Suce à la pouffe qui pouffe. Face au paf en panne. Face au paf en panne. Excellent. D'un jet maintenant. Enfin, d'un jet. J'aime qu'on le prend. Alors, attention. Allons-y. Hop. Suce à la pouffe qui pouffe. Face à la paf, il n'y a pas de la paf. C'est au paf, c'est déjà pas si mal. Hein? C'est pas si mal. Je vais demander à votre camarade ici d'essayer de s'en sortir. Alors, suce à la pouffe qui pouffe. Suce à la pouffe qui pouffe. Face au paf en panne. Face au paf en panne. D'un coup, suce à la pouffe qui pouffe, face au paf en panne. Suce à la pouffe qui pouffe, face au paf en panne. C'est pas mal, mais c'est pas facile. Et pourquoi c'est pas facile? Parce que vous êtes sous pression, c'est une chose difficile à faire. C'était pour vous montrer que la pression, c'était important. 43% des hommes subissent la pression de la performance. Un homme sur trois n'arrive pas à pisser s'il y a un autre homme dans les parages. Et un homme sur trois a déjà simulé un orgasme. Et on appelle ça le sexe fort. Les hommes ne savent plus qui ils sont ni où ils sont. C'est la raison pour laquelle il faut rendre hommage aux héros qui ont su redonner du lustre à la bite. Des hommes comme lui.
cet homme s'appelle Louis la Tringlette. Il a consacré sa vie. On se calme. Il vous fait un drôle d'effet, madame. Cet homme a consacré sa vie à bâtir le temple du pénis. Le musée phallologique canadien. Et c'est dans ce musée que Louis la Tringlette a rassemblé les exemplaires péniens soigneusement tranchés. Ah oui, c'est horrible. Soigneusement tranchés de chaque mammifère canadien dans du formol, séché ou accroché au mur. Alors je suis allé au Canada, vous allez le rencontrer là-bas, et je lui ai demandé, Monsieur la Tringlette, comment cette collection a-t-elle commencé? Voici ce qu'il m'a répondu, c'est le compte-rendu de notre entretien. Alors, il me dit... Ça a commencé tout petit, là. Quand on a bâti un taureau à la ferme, je récupérais toujours son pénis pour le sécher puis en faire un fouet. Un fouet? Oui, un fouet. Plus tard, j'ai été nommé principal dans le collège d'Amtépar. À la conserverie de baleine, ils étaient au courant de mon intérêt pour la chose. Du coup, ils m'ont ramené plein de pénis de baleine. Je savais plus où les mettre, calice. Du coup, j'ai loué un local, et je me suis dit qu'il pourrait être intéressant de recueillir cette partie de l'anatomie sur toutes les espèces mammifères vivantes du Canada. Tu dis uniquement du Canada? Ben oui, c'est grand le Canada. Et puis collectionner les pénis de tous les mammifères du monde, c'est pas possible. On m'aurait pris pour un dingue. Je vends aussi des moulages et puis des petits souvenirs. On essaye de mettre une pointe d'humour dans tout ça, comme cette corde à sauter avec ses poignets moulés sur différents modèles. C'est important d'avoir un hobby pour l'équilibre. Il y en a qui croient qu'il ne faut pas être tout à fait normal pour collectionner des pénis. Mais tout le monde peut point collectionner des timbres ou des tire-bouchons. Bien sûr, je lui dis bien sûr, mais vous n'avez pas de pénis humain dans votre collection. Non. Mais j'aimerais bien en avoir, hein. Garou m'a promis le sien. Et ce mec est principal dans un lycée. Les Canadiens confient leur môme à des détraqués pareils. En tout cas, si vous allez en vacances au Canada, faites gaffe, il rôde. Ah oui. Et d'ailleurs, j'ai demandé aux hommes, vous êtes-vous déjà blessé au sexe? Eh bien, oui, 19%, non, 81%. Et parmi les blessures les plus fréquentes, il y a évidemment les morsures. Les accidents de braguette. La guillopine, ça s'appelle. Il y en a même une qui a fini dans un dérailleur à vélo, c'est vous dire. Et une autre, brûlée au premier degré à cause d'une crème dépilatoire laissée trop longtemps. Mais, la blessure la plus commune répond à la douce locution latine de frenulum breve. Autrement dit, se péter la corde du banjo. Voici un témoignage. Je venais de rencontrer une femme à la libido démesurée et nous en étions à la 6e ou 7e pénétration de la nuit. Alors là, je vois pas pourquoi ils en rajoutent question performance. Je vois pas l'intérêt. Et puis ça m'énerve. Donc, nous en étions à la 1e ou 2e pénétration de la semaine. Quand j'ai senti une sorte de petit claquement, suivi d'une impression de chaleur humide. Elle était horrifiée par la quantité de sang qui coulait et m'a d'abord accusé de l'avoir blessée. L'expression de soulagement qu'elle afficha sur son visage quand elle comprit qu'il s'agissait de mon sexe meurtri sonna le glas de notre vie. Voilà. Voilà toute la compassion des femmes pour notre membre blessé. Hein? C'est bien fait, c'est ça? Hein? Vous trouvez ça drôle, un sexe blessé? Pourquoi? À cause de notre arrogance? Enfin, si vous étiez né avec tous ces doutes sur la puissance de vos érections, sur la forme, sur la longueur, sur la taille de vos sexes, est-ce que vous ne seriez pas tenté de compenser un tout petit peu, vous aussi, les filles? Hein, les filles? Hein, les fifis? Hein?
Réfléchissez à ça, ça me ferait plaisir. Alors, sur ce, j'ai demandé aux hommes, avez-vous déjà été embarrassé par la taille de votre sexe? Oui, 27%, non, 73%. 27% de oui, ça veut dire que 27% des mecs sont inquiets à cause de la taille de leur sexe. Du coup, j'ai demandé aux femmes, vous êtes-vous déjà ostensiblement moqué de la taille du sexe d'un homme? Oui, 27%, non, 73%. Les mêmes chiffres. 27% des hommes se sont déjà sentis ridicules à cause de leur bite et 27% des femmes ont déjà ri devant un petit zizi. Donc, suivant l'extrémité à laquelle on se trouve, ce sont les mensurations de notre queue qui provoquent le plus ou l'hilarité ou la consternation. Ce qui nous amène directement à la question suivante. Quelle est la longueur en centimètres de votre sexe? Alors. Eh bien. Donc, maximum 35 cm, minimum 8 cm 32, la moyenne est de 16 cm 8. Alors, nous allons passer sur les 35 cm. Mesdames, il ne faut pas rêver. J'aimerais vous poser une question. Savez-vous pourquoi les femmes ont des difficultés à effectuer des créneaux en voiture? Bien, tout simplement parce que depuis 2000 ans, on leur fait croire que 35 cm, c'est ça. Donc on va dire 17 cm en gros, enfin en moyenne, soit 3 cm de plus que lors des statistiques publiées auparavant. Donc il y a deux possibilités. Ou bien les mecs à grosses bites adorent remplir les questionnaires sur le net, ou bien quand un homme se mesure lui-même le sexe, il s'enfonce la règle comme ça dans le monde, il fait 15, 16, 16 et demi, 17, je le savais. Je me suis ouvert le bide, le con. Ah. C'est incroyable comme les hommes éprouvent toujours le besoin d'en rajouter. Et même quand le questionnaire est anonyme, ils éprouvent le besoin de mentir. Comme quoi, avoir un petit zizi peut avoir des conséquences terribles. C'est pourquoi j'ai posé la question aux hommes, comment vivez-vous la taille de votre sexe? Voici les réponses les plus significatives par ordre de taille. Alors, 35 cm là. Est-ce que c'est pas un peu juste là? 19 cm, est-ce que ça va suffire? Et c'est sûr, si c'est pour faire des tringles à rideau, c'est un peu juste. Ouais, 17 cm, là, ouais. J'ai l'impression d'avoir un sérieux problème, là, ouais. Et ça fait 2 ans que je suis avec une meuf, hein, ouais. Et chaque fois que j'en parle, elle dit que je suis un gros bouffon, hein, ouais, ouais. Ça me vénère. Quinze centimètres, je me sens con. Il espère quoi, qu'on les additionne, lui? 13 cm. On baisse plus. Ma femme est superstitieuse. Dix centimètres. Est-ce que c'est pas un peu grand, là? 5 cm. Oui, mais en érection. Ok, ça existe, ça s'appelle le micro-pénis. Ah ouais, mais il y a des moyens chirurgicaux pour remédier à ça. En coupant le tendon qui relie une partie du pénis à l'os pubien, on peut gagner 1,5 cm. C'est pas le bout du monde, mais si ça peut faire plaisir. D'ailleurs, se faire rallonger le sexe, c'est un marché aujourd'hui extrêmement florissant. Alors ça, je vous le dis, ça marche très bien. Je vous passe les pilules et les crèmes. J'ai essayé, ça marche pas. Mais il y a plus simple. Il y a la pompe à vide. Hein? Vous connaissez la... Ah, il connaît. La pompe à vide, c'est le même principe que l'aspirateur. Hein? D'ailleurs, on en vend à la sortie pour ceux qui...
Mieux, certains chirurgiens ont eu l'excellente idée de récupérer la graisse située dans certaines parties du corps pour la réinjecter dans les tissus de la verge. Ouais, comme ça, le mec, il est tout content, il peut aller se faire liposucer au bois de Boulogne. Il y a plus simple et moins onéreux. Il suffit de se raser les poils pubiens. C'est comme quand on va chez le coiffeur, les gars. Quand on se fait dégager les oreilles, elles ont l'air plus grandes. Et si on peint les testicules en noir, ça fait Mickey! Magnifique soirée en perspective. Oh oui, cela dit, se raser les poils pubiens n'est pas sans conséquence sur l'avenir de la race humaine. En effet, si les hommes ont du poil au sexe et sous les bras, c'est parce qu'ils ont une fonction bien précise. Ils diffusent des effluves qui permettent d'attirer et d'exciter le partenaire sexuel. Donc les mecs, la prochaine fois que vous allez à la plage, vous ressortez le moule-burne avec les poils bien peignés. Très important. Alors du coup, j'ai cherché à savoir si la taille du sexe d'un homme était vraiment importante. J'ai demandé aux femmes, la taille du pénis est-elle importante pour le plaisir ? Oui, 64%, non, 36%. Deux tiers des femmes affirment que oui. Il y a même une femme qui a répondu, si c'est trop petit, autant remuer un crayon dans une bassine. Un crayon dans une bassine, c'est sûr qu'il y a un problème de taille, là. Est-ce qu'un problème de taille peut suffire pour mettre fin à une relation ? Oui, 24%, non, 76%. Pour 24%, c'est oui. Comme quoi les femmes peuvent être aussi superficielles que les hommes, ou peut-être pas d'ailleurs, parce que si elles étaient aussi peu profondes, il n'y aurait pas de problème de taille, forcément. Certaines réponses sont assez intéressantes, comme celle-ci, par exemple. Oui, je serais capable de rompre. Mais un homme peut compenser en étant doux, aimant, habile, imaginatif, audacieux et incroyablement sexy. Je n'en ai jamais rencontré. Ou celle-ci. Je devisais allègrement l'autre soir avec Charles-Henri et je lui disais, la complicité est beaucoup plus importante que la taille du sexe, à condition que le résultat soit le même. Ou alors celle-ci. Si la taille compte, peut-être. Mais vous pouvez toujours vous glisser le petit zizi de votre mari entre les fesses, un vibrant entre les jambes et vous faire sucer les nichons, c'est même carrément mieux. Pourquoi est-ce que je fais des questionnaires anonymes, moi, hein? Donc, presque une femme sur quatre serait prête à rompre à cause de la taille de notre sexe. Cela dit, pour être honnête, tout le monde a des exigences physiques sur son partenaire, hein. Une femme sur quatre ne voudrait pas de moi si je mesurais 1m55 si j'étais gros. Une femme sur quatre ne voudrait pas de moi si j'étais chauve avec le dos poilu. Donc si vous êtes petit, gros, chauve avec le dos poilu et une petite bite, ça fait 5 femmes sur 4 qui vous enverraient chier, hein, c'est normal. Cela dit, tout le monde a un petit défaut. Hein? Tout le monde a quelque chose qu'il aimerait changer. Généralement, chez les femmes, c'est quelque chose de plus visible, d'ailleurs. Hein? Les seins trop petits ou les fesses trop grosses. Enfin, les filles, je vois vraiment pas pourquoi vous vous inquiétez. Depuis qu'on sait qu'un mec peut faire l'amour avec un rouleau de PQ rempli de confiture. En fait, voyez-vous, il y a deux manières de voir les chiffres. La bonne nouvelle, c'est que 3 femmes sur 4 sont prêtes à aimer un homme, quelle que soit la taille de son sexe. Et nous, en échange, on est prêts à les aimer avec un gros cul, des petits nichons et une foufoune comme une bassine en plastique. En fait, c'est scientifique. La taille moyenne du phallus est de 16 cm et celle du vagin est de 16 cm aussi. D'ailleurs, vous en connaissez beaucoup, vous, des femmes qui aimeraient se faire déboîter les cervicales par l'intérieur ?
Même si certaines femmes aiment les grosses bites, et j'en connais, leur sensibilité nerveuse ne dépasse jamais 16 cm dans le vagin. C'est exprès, sinon les accouchements seraient beaucoup trop douloureux, alors que là, tout le monde sait que c'est une partie de plaisir. Alors, pourquoi les hommes ne peuvent-ils pas s'empêcher de penser que la taille est importante? Pourquoi? Eh bien, une théorie prétend que si les hommes rêvent d'avoir un gros sexe, ça n'est pas pour attirer les femmes. C'est pour impressionner les autres hommes. En plus, être monté comme un poney, c'est pas forcément la panacée. Une proportion non négligeable des femmes prêtes à rompre à cause d'une trop petite bite le ferait aussi si elle était trop grosse. Ça fait mal. Voici un témoignage. Ça fait 12 ans que je suis avec mon ami. Son sexe est trop gros. Chaque centimètre de pénétration est un véritable supplice. On y a renoncé pour se concentrer sur d'autres manières de se faire plaisir. Mais même ça, ça devenait insupportable. Si l'on confond taille du sexe et virilité, c'est essentiellement la faute de l'homme, voyez-vous. Le simple fait d'avoir entre les jambes un truc capable de donner la vie fait de moi un homme, quelle que soit sa taille, sa forme ou sa longueur. Hein? D'ailleurs, tant qu'à avoir un organe surdéveloppé, autant que ce soit le cerveau ou même le cœur, ça au moins ça servirait à quelque chose, ou même une grosse vessie. Hein? On peut descendre 12 bières d'affilée sans aller pisser. On est la star du troquet. C'est vachement plus utile que la virilité. Bien, ensuite, j'ai demandé aux hommes, avez-vous déjà pratiqué le sexe à trois ou en communauté? Oui, 34%, non, 66%. Hey. 34% de oui. Salaud. Moi non. Moi, un jour, j'avais une copine, j'ai demandé d'inviter une autre copine au lit pour échanger des points de vue. Elle m'a répondu... T'as déjà du mal avec une. On a rompu. Alors, c'est à se demander qui contrôle quoi, finalement. Hein? Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est sa queue? Finalement, j'ai demandé aux hommes, qui est le maître à bord? Vous ou votre bite? Moi, 73%. Ma bite, 27%. 3 hommes sur 4 disent qu'ils sont les maîtres à bord et pas leur bite. Les hommes ne sont donc pas si obsédés que ça par le cul. Et d'ailleurs, si on regarde le nombre de partenaires sexuels que les hommes ont eu dans leur vie, on obtient les chiffres suivants. Regardez bien. 24% entre 0 et 1 partenaire. 71% de 2 à 50 partenaires. 5% plus de 50 partenaires. Un homme sur 4 a eu au maximum une partenaire et seulement 5% en ont eu plus de 50. Hein? Et puis dire que les hommes ont des mœurs plus légères que les femmes, c'est complètement ridicule. Pour se renvoyer en l'air, il faut être deux. Hein? Ou alors, il y a une super salope qui se tape tout le boulot quelque part. Et d'ailleurs, à propos de rapports sexuels, savez-vous, chers élèves, que la moyenne mondiale des rapports sexuels dans le monde est de 96 fois par an. Tout pays confondu. Et je me suis amusé à faire un petit classement. Et je suis dans le regret de vous annoncer que dans ce classement, nous les Français, nous n'arrivons pas les premiers. Les premiers dans ce classement sont les Américains. Comme quoi, on peut être con et tirer quand même. Alors, Les Américains arrivent les premiers avec une moyenne de 132 coups. Après le fast-food, le fast-fuck. En deuxième position, les Russes, avec 122 coups par an. Hein? Ça veut dire, à moins 50 degrés, c'est carrément une question de survie. Hein, ça. En troisième position, les Français, très bien, avec 121 rapports par an. Forcément, avec les 35 heures, ça laisse moins de temps pour baiser au boulot. En quatrième position, les Italiens. 114 fois, m'a déclaré. Hein. En cinquième position, les Anglais.
92 fois par an. Et généralement, c'est à l'heure du thé, avec un petit nuage de lait pour tremper le biscuit. Et un petit peu plus loin dans le classement, nous avons en 17e position les Japonais. 37 fois par an. Même fréquence que les tremblements de terre. Ça fait monter les bourses. C'est bon pour l'indice Nikkei. Nikkei. D'accord, laissez tomber, c'est pas grave, oubliez. En 153e position, les Corses. 12 coups par an. Un seul chargeur. Et dans les profondeurs abyssales du classement, nous avons les Esquimaux. Avec une pénétration par an, mais elle dure 365 jours. Redevenons sérieux si vous voulez bien. Ce qui se passe en fait, c'est que les femmes contrôlent l'accès au sexe. Les hommes tirent les coups que les femmes veulent bien nous laisser tirer. Et pour le reste, certaines personnes sont portées sur la chose, d'autres moins, la majorité se situe au milieu. Indépendamment du sexe, on est pareil. En fait, depuis la révolution sexuelle, l'homme a perdu ses repères. L'émancipation de la femme, l'arrivée de la pilule contraceptive, l'égalité des sexes, la parité, etc., etc. Il ne sait plus où il en est. D'ailleurs, je pose une question officielle. Avons-nous encore notre place dans le monde moderne? La robotisation industrielle s'est substituée à notre puissance musculaire. Le guidage des missiles a remplacé la chair à canon. Le génie génétique peut se passer de nous pour la reproduction. Ne sommes-nous pas en train d'assister à la mutation des hommes en vulgaires producteurs de sperme, enchaînés dans des donjons par des femmes qui nous allaiteront comme des petits cochons? Mais j'espère bien! On n'aspire qu'à ça! Allez les filles, on se bouge le cul! Ça m'a l'air génial cette histoire de donjon, je te l'ai dit Bernadette, je m'en permettrai un brégançon. Et voilà! Il faut que l'homme se réaffirme et qu'il revendique son sexe et qu'il assume l'amour qu'il se doit de lui porter. C'est pourquoi, les garçons, j'aimerais qu'ensemble, après moi, vous répétiez dans la joie et la bonne humeur « J'aime ma bite ». Allez les gars, allez. Non, doucement, doucement. Je vais dire un, deux, et vous direz j'aime ma bite. Allez les gars. Allez. Un, deux. J'aime ma bite. Je suis très déçu. C'est mou! Ça fait un bon moment que je suis en train de vous expliquer qu'il faut que vous soyez fiers de vous, fiers des sexes qui vous ont donné la vie. Et vous êtes là, j'aime ma bite. J'aimerais un j'aime ma bite franc, massif, généreux, communicatif, convaincant et convaincu. Allez les gars. Deux. J'ai voilà, bravo! Magnifique, magnifique, c'est super. Magnifique. Je suis fier de vous. Les filles maintenant. Il aime sa bite. Allez les filles. Là-haut aussi. Un, deux. Il est très bien ça. Alors on va le dire une deuxième fois pour que vous l'acceptiez complètement. Ça. Un, deux. Il est magnifique. C'est très bien. Alors maintenant je vais vous mettre à contribution une dernière fois les filles. J'aime ta bite.
faites-moi plaisir. Un, deux. Chers amis. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est celle que je préfère, la dernière. Je l'enregistre tous les soirs, je me la passe en boucle à la maison. Ah ouais. Alors, il faut que tous ensemble, hommes, femmes, homo, hétéro, bi, tri, transsexuels, nous votions pour l'UEP, l'Union Européenne. Et alors, seulement les hommes cesseront de croire que les femmes les haïssent, eux et leur sexe. Et d'ailleurs, si on regarde les chiffres, c'est loin d'être le cas. À la question, considérez-vous le sexe de l'homme comme un ami ou un ennemi? Un ami, 95%. Un ennemi, 5%. 95% des femmes considèrent la bite comme un ami. 95% des femmes aiment la bite. Et plus ça va, plus je me dis que les femmes savent exactement ce qu'elles attendent du sexe de l'homme, c'est merveilleux. Franchement. Vous auriez préféré vivre à une époque où nos arrière-grand-mères copulaient deux fois par an en pensant à la grandeur de la France. Ou dans un monde où une femme est capable de dire sans rougir, vous pouvez toujours vous glisser le petit zizi de votre mari entre les fesses, un vibro entre les jambes et vous faire sucer les nichons, c'est même carrément mieux. Eh bien moi, j'ai choisi. Messieurs, la route est encore longue, mais nous pouvons redresser la barre. Ce soir, je voudrais que vous rentriez chez vous et que vous célébriez votre sexe seul, avec votre partenaire, ou plus pour les 34% de vénards. Votre sexe vous appartient quoi que vous fassiez. Il est un pont-levis qui nous unit à vous, mesdames. Eh oui, c'est pourquoi protégeons-le, vénérons-le, honorons-le, et pour l'amour du ciel, lavons-le. J'en ai terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous verrons le rôle de l'adultère dans la cohésion du couple chez la Méduse. Je vous remercie pour votre attention. En tout cas, n'oubliez pas cette phrase. Hic habitat felicitas. C'est ici que le bonheur habite. Bonsoir et surtout, faites bien vos devoirs à la maison. Inutile de vous le dire, mais vous le savez, ce qui compte, c'est la qualité et non pas la quantité. Et d'après une étude récente, on s'est rendu compte que les meilleurs coups de la planète étaient les Indiens d'Amérique du Nord et que les hommes les mieux membrés étaient les Juifs. Je ne me suis pas présenté. Geronimo Cohen.